Et les meilleurs du monde, cela commence par l'ensemble italien. Cinq jeunes filles, vous les voyez, qui tiennent pour les unes un ballon, pour les autres un ruban. Les rubans qui partent en boucles et serpentins, le ballon qui file tel une vague le long des jambes de ces cinq concurrentes transalpines, le tout dans une parfaite osmose et une synchronisation si importante en GRS. Tout s'est parfaitement bien passé concernant les Italiennes. Alors effectivement, Michel, vous le disiez, l'enjeu de cette compétition est particulièrement important. Non seulement il s'agit d'un championnat du monde qui donc cette année se dispute à Vienne, ici cette merveilleuse capitale de l'Autriche, riche de tant de beauté et de monuments, mais en plus c'est vrai que cette épreuve est le dernier très très grand rendez-vous avant les Jeux d'Atlanta de 1996 et qu'une qualification pour ces Jeux d'Atlanta était en jeu. Eh bien, c'est une double bonne nouvelle, puisque vous le savez certainement concernant Eva Serrano, notre invitée d'il y a quelques minutes, elle s'est très brillamment qualifiée pour les Jeux dans la compétition individuelle. Quant à l'ensemble de l'équipe de France, dirigée par Valérie Le Guen, il a obtenu la cinquième place, alors qu'il lui fallait terminer dans les sept premiers.